السلام عليكم أعزائي متابعي قناة تعلم واستفد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 178 من كتاب اللغة الفرنسية Mes apprentissages en français المستوى السادس ابتدائي Évaluation et consolidation deuxième semaine unité 6 الأسبوع الثاني من الوحدة السادسة L'environnement البيئة التمارين ديال اليوم غادي يكونوا في la grammaire Donc نبداو بلا première question Souligne dans les phrases les adjectifs qualificatifs. Souligne dans les phrases les adjectifs qualificatifs. Donc là, maintenant, les adjectifs qualificatifs, la phrase A. Cette équipe est prête pour la compétition. Cette équipe est prête pour la compétition. Cette équipe de l'Ferqa est prête, il y a Wajda, Moussaïda, pour la compétition, l'île Moussabara. Donc, cette équipe est prête, n'est prête ou l'adjectif qualificatif. Les adjectifs qualificatifs qui ne sont pas toujours l'énouette. Dans l'adjectif épithète qui est l'asque de l'élément qui qualifie, ou maintenant l'adjectif attribut ou l'élément qui qualifie un verbe d'être. Il y a un le verbe être ou là. Un autre verbe d'état. Donc, cette équipe est prête pour la compétition. Non, prête, c'est l'adjectif qualificatif ou l'adjectif qualificatif attribut. Toujours la phrase B. Cet entraîneur est musclé. L'entraîneur endo l'adalat. Donc, musclé, elle est en bonne et parfaite santé. La phrase N fait trois adjectifs qualificatifs. أول الأدجكتيف كاليفيكاتيف عندنا هنايا مسكلي هنا عندنا بون وعندنا هنا بارفيت دونك مسكلي هو راه أدجكتيف كاليفيكاتيف بون أدجكتيف كاليفيكاتيف اي بارفيت حتى هي أدجكتيف كاليفيكاتيف نوزو لا فراز سي أحمد بوسيد أن شا دو اي كالا أحمد بوسيد أن شا دو et kala donc finalement les adjectifs qualificatifs edna dou edna kala yani dou yani عند احمد عنده واحد القط ناعم ومتملق dou كتعود على شا و kala حتى كتعود على شا donc هادو sont des adjectifs qualificatifs épithètes علاش لانهم ما فرقهمش بينهم وبين le nom اللي كيكاليفيو شي verbe d'état dou la phrase d on entend des aboiements furieux, c'est le grand chien noir des voisins. Nous avons un mot qui est clair, c'est le grand chien noir des voisins. Donc, on entend des aboiements furieux, furieux, adjectif qualificatif, c'est le grand c'est adjectif qualificatif, noir, c'est adjectif qualificatif. Donc, je relis. Cette équipe est prête pour la compétition. Elle est prête. Il y a l'adjectif qualificatif. Cet entraîneur est musclé. Il est en bonne et parfaite santé. Elle est musclée, bonne, parfaite. Voilà les adjectifs qualificatifs. Ahmed possède un chat doux et câlin. Doux et câlin, ce sont les adjectifs qualificatifs. On entend des aboiements furieux. C'est le grand chien noir des voisins. Donc, elle est furieuse. Grand et noir. Donc, les adjectifs qualificatifs. Nous allons sur Altene. Utilise les comparatifs et superlatifs qui conviennent. Nous allons sur Altene. Donc, les expressions de l'Mokarana ou de l'Tfdel qui conviennent. Et nous allons sur la tortue est lente que le lapin. La tortue est lente que le lapin. La tortue est sur la fesse et lente que que le lapin. La tortue est plus lente que le lapin. La tortue est plus lente que le lapin. B. Vous êtes rayonnante. Il y a des roses. Il y a des roses. Vous êtes rayonnante comme des roses. C. Les notes de cet élève sont n'élevées que celles de ses camarades.
النقط ديال هاد التلميذ عالية على الكاميرات ديالو. Donc les notes de cet élève sont plus élevées que celles de ses camarades. Dernière phrase, D. L'éléphant est féroce que le tigre. L'éléphant est fil, غادي نقولوا انها اقل وحشيه من النمر. يعني طبعا النمر هو اللي متوحش بزاف، اما ليليفون يعني واخا كبير وانما ما كيفترش بحال لو تيك. يعني اقصى ما يقدر يدير هو انه يقدر يصطدم عليك. دونك جو غالي لا فراز. ا لا تورتو اي بلو لانت كو لو لابان. بي فوز ات رايونونت كوم دي روز. سي لي نوت دو سيت ايليف سون بلو élevé que celle de ses camarades. D. L'éléphant est moins féroce que le tigre. Nous avons la troisième question. Complète l'adjectif qualificatif qui convient. Maintenant, nous avons la question. Nous avons la question. L'adjectif qualificatif qui est net, qui est maintenant bonne, mienne, glaciale, glacée, rose et jaune. Rose في الوردة et jaune في الأصفر. Responsable, مسؤول, joyeux, سعيد, accroché, يعني لاصق, mauvais, خايب. أولا, cette année le Maroc a connu un hiver. قال كاد العام المغرب عرف واحد الشتاء. شنو غادي نقولو؟ غادي نقولو شتاء يعني برد بزاف، يعني glacial. Cette année le Maroc a connu un hiver glacial. دوزو ب. B. Le soir, on sent une odeur des fleurs. Le soir, on sent fleil kenchemon, une odeur des fleurs. Bima anha raihat lward, yani shnou ghadi tkoun? Ghadi tkoun zwina. Donc le soir, on sent une bonne odeur des fleurs. Fi lmasa kenchemo wahed raiha zwina bzaf dial les fleurs. Had les fleurs ki dayrin rose et jaune. Rose wardiya ou safra. Donc le soir, on sent une bonne odeur des fleurs roses et jaunes. Nous le savons. C'est les dessins rossomètes accrochés, ni le malqa ou la lasqa, au mur, flhet, expriment des sentiments joyeux. Les dessins accrochés, ni donc le rossomètes, le malqa, flhet, expriment, كتعبر على des sentiments joyeux. Le واحد المشاعر سعيدة. D. Te sens-tu de ce mauvais geste. Donc, te sens-tu responsable de ce mauvais geste? واش كتحس براسك مسؤول على هذا الجست الخايب؟ Te sens-tu responsable de ce mauvais geste? Donc, je relis. عندنا اول phrase كانت عندنا cette année le Maroc a connu un hiver glacial. B. Le soir, on sent une bonne odeur des fleurs roses et jaunes. C. Les dessins accrochés au mur expriment des sentiments joyeux. D. Te sens-tu responsable de ce mauvais geste? Nous avons la quatrième question. Écris cinq phrases en utilisant les comparatifs et les superlatifs suivants. Galik, oktub, khamsa diyal jumel. باستعمال هاد لي كومباراتيف ولي سوبرلاتيف. قلنا انا دوك الوسائل ديال المقارنه او التفضيل سويفون. هما عطينا هنايا اوسي كو بلو كو اوتون دو كو دو موا كو، وهنا عطينا لا ميور. دونك حنا كتبنا 5 فراز كيما مطلوب منا، و لي كومباراتيف ولي سوبرلاتيف كتبناهم بلون مغاير باش يبانو لكم. دونك جولي. A. Cette fille est aussi belle que sa mère. Cette fille est aussi belle que sa mère. البنت تاهي زوينه فحال ماما. B. Tu es plus grand que ton père. Donc انا درت واحد الخطا، نورمالمون خصني ندير ton frère. Donc tu es plus grand que ton frère. Dans la phrase C. Dans cette association, il y a autant de filles que des garçons. D. Le jardin de nos voisins est moins florissant que le nôtre. Yani jardin ديال الجارديان هي ماشي مزهره بحال ديالنا، بحال الجردة ديالنا. E. Dernière phrase. Cette solution est la meilleure. هذا الحل هو احسن حل. Je relis.
A, cette fille est aussi belle que sa mère. B, tu es plus grand que ton frère. C, dans cette association, il y a autant de filles que des garçons. D, le jardin de nos voisins est moins florissant que le nôtre. E, cette solution est la meilleure. إذا أعزائي متابعي قناة تعلم واستفد، كانت هذه صفحة 178 من كتاب اللغة الفرنسية Mes apprentissages en français المستوى 16 ابتدائي.